première rencontre hier soir entre le chef du gouvernement et les organisations de la société civile. Plus qu'une prise de contact, les OSC ont décliné leurs préoccupations à Paul Kabat-Séba. Les échanges se sont déroulés à bâton rompu et ont porté essentiellement sur des questions d'actualité. Semaine nationale de la culture édition 2016, le comité d'organisation rassure que tout est prêt pour une bonne tenue de la fête de la culture. Les responsables du comité d'organisation de la SNC ont fait le point des préparatifs au cours d'un point de presse. Voilà qui fait la une de ce journal. Bonjour à toutes et à tous. Cela dit, plusieurs sujets d'actualité étaient au menu des échanges entre le Premier ministre et les organisations de la société civile, de la politique à l'économie, en passant par la sécurité. Paul Kabat-Séba et les représentants des OSC ont évoqué tous ces sujets sans langue de bois. La rencontre s'est tenue hier soir à Ouagadougou. On fait le point avec Nongba Kouda et Maxime Zongo. 5 heures d'horloge, c'est le temps mis lors de ce premier face-à-face chef du gouvernement, représentant des organisations de la société civile. Au menu des échanges, l'actualité nationale et internationale dans toute sa diversité. En un mot, tous les sujets ont été abordés sans tabou avec lui. C'était des échanges à bâton rompu. On a abordé diverses questions, problèmes. Il y a quand même le problème de la vie chère et il y a le chômage des jeunes. Et il y a même le problème du fonctionnement même du gouvernement qui a été abordé. Et avec l'actualité des deux temps, il y a le problème de la Sonature, le limogeage du DG de la Sonature, le problème des parcelles de Ouaga 2000. Bon, on a fait carrément le tour de toutes ces questions. Des débats francs et constructifs selon les représentants des OSC qui ont permis d'appréhender les préoccupations de la population. Toute chose qui pourrait contribuer à rectifier le tir. L'objectif, ce n'est pas d'avoir des propositions ou des positions particulières, mais c'était d'exprimer des préoccupations que le Premier ministre prenait le temps d'analyser. Une belle initiative. Ce qu'on aurait souhaité, c'est que ça se fasse un peu plus tôt. Parce que déjà, plus de 4 mois que le Premier ministre est au perchoir. Et durant les cadres, je peux vous dire que le Premier ministre est quasi inconnu. À l'issue de cette rencontre marathon, les deux parties ont convenu de se retrouver périodiquement afin d'approfondir les questions qui ont été abordées. La Commission nationale des droits humains répond désormais aux standards internationaux. Cette commission avait été instituée par décret et un projet de loi irrelatif a reçu l'aval des députés hier à l'Assemblée nationale. Le débat général sur la CNDH à l'Assemblée nationale a porté sur la composition de ses membres et la nature de l'immunité qui leur est accordée. Des précisions avec Konsoun Koulibaly et Ismaël Dilouma Sirima. Portant création d'une commission nationale des droits humains est adoptée. Par 108 voix pour, 0 abstention et 1 voix contre. Mais avant, le débat général a jeté un regard sur la question de l'immunité des membres de la commission. Lorsque, par exemple, un commissaire, dans l'exercice de ses fonctions, pose des actes, il a une immunité totale. Et nous pensons qu'il faut maintenir ça. Sinon, si les commissaires savent que pour les actes qu'ils ont pris, les décisions, après leur mandat, on va les poursuivre, ils ne vont pas agir. La présence spécifique de médecins et d'avocats comme membres de la commission a également soulevé des questions. Par exemple, l'atteinte à l'intégrité physique, il faut bien quelqu'un qui s'y connaît pour pouvoir établir un lien supplémentaire. C'est pour cela que nous avons estimé que la présence des médecins était nécessaire. Et les avocats, parce que lorsque vous savez que la commission est compétente pour recevoir des plaintes, or lorsque vous recevez une plainte, il faut pouvoir la qualifier, pour pouvoir la rattacher à une raison précise. Et à ce niveau, les avocats, juristes praticiens, sont à même de pouvoir faire ce travail. À cette première session ordinaire de l'année 2016, Albert Benao, de la province de la Sicile, fait son entrée à l'hémicycle. Il remplace Ousmane Nakro du MPP qui a démissionné.
Dans le cadre du financement additionnel des filières agro-silvopastorales, une mission du gouvernement et de la Banque mondiale était en visite de terrain hier. La mission est allée constater l'avancement des travaux de construction d'infrastructures pour l'élevage et l'agriculture dans les localités. À Tangandasuri et à Komkiipala, la délégation a jugé l'avancement des travaux satisfaisant. On apprend aussi que la clôture du PAFASPE, initialement prévue pour fin 2016, est prorogée au 30 juin 2017, Nongba Kuda et Ramatou Zida. Nous sommes sur un site traditionnel d'élevage à Tanguin, localité située à 25 km de Ouagadougou. Amado Nakulma exerce ici l'activité d'embouche bovine depuis plus d'une dizaine d'années. Aujourd'hui, grâce à l'accompagnement du programme d'appui aux filières agro-silvopastorales, il compte moderniser son processus d'embouche. J'apprécie l'action du projet. Mais je souhaite qu'à l'avenir, il nous appuie aussi avec du bétail. Sur ce nouveau site sera construite une étable semi-dure de 10 têtes de bovins, une infrastructure de plus d'1 million de francs CFA. Emmanuel Nikiema, quant à lui, élève de la volaille. Il a aussi reçu l'appui du PAFASPE. Son activité de production de volailles s'agrandit avec ce bâtiment en construction et un noyau reproducteur de 50 poules et 5 coques qui lui sera offert par le projet. Déjà, j'ai un bâtiment qui est déjà amorti, construit en banco depuis 2011 qui est amorti. Et sans un bâtiment, ce n'est pas sûr que je puisse continuer à produire, surtout que je vais produire à grande échelle. Dans la mise en œuvre du financement de ces micro-projets, l'équipe de la Banque mondiale et du gouvernement burkinabé est ici pour apprécier l'état d'exécution des travaux. Les chantiers ont démarré, les promoteurs ont pu remettre donc les sites aux prestataires et les travaux sont à différents stades. La mission a également visité la construction de deux entrepôts de conservation d'oignons à Lougbissi, un village de Komkiipala à 30 km de Ouagadougou. Dans l'ensemble, l'évolution des réalisations est satisfaisante selon la mission de supervision. L'ambassadeur du Nigeria est en fin de mission au Burkina Faso. Il était en poste depuis 2012 dans notre pays, qu'il quitte pour d'autres fonctions au Nigeria. Et pour lui dire au revoir, une soirée a été organisée hier à son honneur. Soirée au cours de laquelle l'ambassadeur du Nigeria a reçu une distinction honorifique. Paul David Bambara et Omar Zombri. David Gambar Bala fait ses adieux au Burkina Faso. Après 4 ans de service en tant qu'ambassadeur du Nigeria au Burkina Faso, voici venue l'heure pour lui de retourner au bercail. Ma mission vraiment ici a été vraiment très engageante et en partant j'ai un sentiment mitigé de joie parce que je dois repartir chez moi au pays et un second sentiment parce que je dois quitter un pays que j'aime tant. Et pour toutes ces actions rendues au peuple burkinabé, David Gambar Bala est distingué à titre honorifique. Il reçoit ici la médaille d'officier de l'ordre national des mains du ministre en charge des affaires étrangères. Ce qu'on peut retenir dans l'action concrète, c'est que le Nigeria a aidé le Burkina avec 20 véhicules dans le cadre de l'organisation des élections présidentielles et législatives. Ce qui est à saluer dans la coopération sud-sud. Le diplomate nigérien quitte le pays des hommes intègres pour le Nigeria, où il sera désormais en charge du département Afrique aux affaires étrangères. Il promet toujours œuvrer pour le renforcement des liens déjà étroits entre le Burkina Faso et le Nigeria, des liens qui existent depuis 1972. Autre point de l'actualité, la Semaine nationale de la culture Bobo 2016 s'ouvre demain 26 mars. Dans la ville de Sia, tout est prêt pour une bonne tenue de la fête de la culture. C'est l'assurance faite par le comité d'organisation. Le comité d'organisation de la SNC 2016 a fait le point de ses préparatifs au cours d'un point de presse hier à Bobo Tchoulasso. Des précisions avec Idrissa Warga et Amadou Loué. Pas de doute, la Semaine nationale de la culture commence bel et bien samedi à Bobo Dioulasso. Assurance faite par le comité national d'organisation au cours de ce point de presse. Les sites sont prêts, les stands sont déjà donc construits. Le village de communauté est en train d'être également occupé donc par les différentes communautés. La SNC 2016 réserve assez d'innovations pour le public.
il y a ce que les jeunes ont apporté comme innovation, c'est le slam. Vous avez également le fait que les prix attribués aux différents lauréats ont été relevés. Nous sommes passés de 750 000 francs à 1 million de francs. Cette année, la sécurité reste l'enjeu majeur de ce rendez-vous culturel, mais la commission se veut rassurante. Nous serons déployés sur tous les sites. Et d'ailleurs, ça fait depuis 151 jours que nous sommes en opération. Plus de 1400 artistes sont attendus, des nationaux comme des internationaux. Alpha Blondy, précédemment annoncé, ne pourra plus faire le déplacement. Alpha Blondy, effectivement, avait suscité des envies auprès de la population. Mais malheureusement, pour des raisons indépendantes de sa volonté, il ne pourra pas faire le déplacement de Bobo-Dioulasso. C'est ici, au stade Sangoulé-Lamézana de Bobo-Dioulasso, que va se dérouler la cérémonie de lancement de la SNC 2016, une cérémonie prévue samedi à partir de 15h. Et puis dans la province du Nayala, deux troupes en danse traditionnelle vont représenter cette province à la 18e SNC. À quelques heures de l'ouverture de ce rendez-vous culturel, ces troupes se disent prêtes pour rivaliser avec l'autre troupe des autres provinces qui seront en compétition. Nous vous proposons les dernières répétitions des deux troupes de danse traditionnelle du Nayala. Et c'est un reportage de Bakary Seri et Nayal Gadou Paul Sawadougou. La province du Nayala est présente à la Semaine nationale de la culture Bobo 2016 avec deux troupes en danse traditionnelle pour les jeunes et adultes. Composée essentiellement d'élèves, la troupe Laobaosila de Thomas fait ses dernières répétitions. Après une première participation en 2014 où elle a occupé la quatrième place, la troupe Baosila va cette année à la conquête du premier prix en danse traditionnelle pour les jeunes. La danse que nous apprenons, la danse sans est la meilleure danse. Cette année, on est mieux préparé par rapport à l'année passée. L'année passée, c'était notre première participation à la SNC. Mais cette année, on a plus d'expérience. Ce qui me fait dire qu'on parle sans inquiétude. Pour sa première participation, la troupe Kikoura de Bossina, créée en 2008, compte offrir un spectacle en danse traditionnelle de 12 pas de danse différents. Il y a danse de salutation, danse des femmes qui veut dire la paix au Burkina Faso et également il y a danse des masques. On a commencé les entraînements, en tout cas ça vaut un mois que nous sommes là-dessus et je pense que l'entraînement c'est l'atout de la troupe. Et je pense qu'en tout cas il y a l'espoir, pour emporter la première place à Bobo. La troupe jeune est à sa deuxième participation. En 2014 ils étaient quatrième. Donc nous avons travaillé davantage pour améliorer notre rang cette année. Et l'autre troupe aussi également, c'est une troupe aguerrie, une ancienne troupe qui est vraiment habituée de ces genres de compétition. Les deux troupes, entre réglages et conseils pratiques, se disent prêtes pour la conquête du Grand Prix national des arts et des lettres en catégorie danse traditionnelle pour jeunes et adultes. Dans l'actualité culturelle également, un festival dénommé Ouagadougou a été lancé hier soir dans la capitale burkinabé. C'est un festival qui se tient autour de concepts appelés les 3B, entendez par là les brochettes, les boissons et la bonne humeur. Le promoteur dit avoir initié ce festival pour offrir une semaine de bonheur aux Ouagalais, Mokhtar Ouedraogo et Aruna Marie. Dougou à Ouagadougou. Et c'est le festival Ouagadougou qui déroule son concept. Pour cette première édition, le festival se propose d'offrir aux Ouagalais une semaine de bonne humeur. L'idée est du promoteur des Ouistiti d'or. Nous voulons stimuler la production humoristique et nous souhaitons que l'humour soit vecteur de changement, vecteur de bonne humeur, mais aussi que ce soit un marché, que ça puisse créer des emplois. Et les gens vont venir manger et boire, tous ceux qui ont pris des stands vont faire de l'argent. Je souhaite qu'ils fassent le maximum de bénéfices possible et tout le monde gagne. Pour le parrain, la culture est un business et Ouagadougou est à même d'apporter sa contribution à la résorption du chômage des jeunes et au rayonnement de Burkina. Par l'humour, par la parenté à plaisanterie, nous allons magnifier notre culture et nous allons aussi, par ce biais-là, nous développer. Parce que vous savez, aujourd'hui, la culture est un maillon donc, du développement économique. Donc, en un mot, c'est pour dire on n'est pas tombé, on ne va jamais tomber et on va aller de l'avant.
Une semaine durant, les 3B, à savoir les brochettes, les boissons et la bonne humeur, seront au rendez-vous selon le promoteur. Les brochettes de Kaya peuvent se déguster sur place. Le festival sera meublé entre autres par des projections de films comiques, des prestations humoristiques et un concours d'imitation. Un espace est aussi réservé aux tout petits. En sport, l'Union nationale des supporters des étalons sonne la mobilisation. L'UNCE appelle l'ensemble du peuple burkinabé à soutenir le 11 national pour le match demain contre l'Ouganda. C'était au cours d'une conférence de presse organisée mercredi dernier à Ouagadougou. On fait le point avec Salif Belem et Jean-Victor Ouedraogo. Selon le rassemblement de tous les supporters d'ici et d'ailleurs pour une union sacrée autour des étalons, c'est la principale information donnée par les responsables de l'Union nationale des supporters aux hommes de médias au cours de cette conférence de presse. Pour une première fois, nous aurons trois quarts de la diaspora ivoirienne. Nos compatriotes togolais se sont annoncés avec deux quarts de 22 places, plus nos animateurs. Avec 3-6 pour les Ougandais, les étalons ont plus que jamais besoin de gagner. Pour y parvenir, le 12e homme aura un rôle déterminant à jouer. Toute cette campagne de mobilisation dans les régions du Burkina. Sur les 12 régions qui doivent donc rallier Ouagadougou le samedi, nous avons eu la confirmation de 11 régions. Pour les responsables de la structure fêtière des supporters, la victoire des étalons dépendra en partie de la mobilisation du peuple burkinabé autour du 11 national. On a 4 à 5 répétitions, on n'a jamais fait ça. C'est comme le match est très important pour les Burkinabés, tous les supporters. C'est pour cela qu'on a vraiment fait effort comme ça. Le match Burkina-Ouganda va se jouer à guichet fermé afin de maîtriser le volet sécuritaire. Nous avions décidé de mettre des barrières à partir de 200 mètres du stade par rapport à la sécurité. Parce que cette fois-ci, nous n'allons pas tolérer à ce que les gens viennent en moto, en voiture, à l'intérieur, au niveau du stade, sauf ceux qui ont leur badge. L'Union nationale des supporters des étalons invite toutes les croyances à prier pour que les étalons soient dans les meilleures dispositions mentales et physiques pour affronter l'Ouganda. Et pour terminer, on regarde l'actualité traitée dans la presse écrite ce vendredi. On apprend dans les journaux que les organisations professionnelles des médias demandent une refonte du Conseil supérieur de la communication. En actualité à l'étranger, les quotidiens reviennent sur la réélection de Denis Sassou Nguesso au Congo. La revue de presse est avec Sibidi Issa Lankwande. Le Conseil supérieur de la communication cristallise l'attention des professionnels des médias. En cause, le bras de fer suite à la décision portant suspension du bimensuel l'événement, les organisations professionnelles des médias voudraient, lit-on dans le quotidien, ouvrir le débat sur l'organe de régulation. Elles ont le sentiment que les décisions du CSC portent des marques d'influences extérieures plutôt que la conviction profonde des conseillers. Le dialogue entamé pour la levée de la suspension n'a jusque-là pas trouvé écho favorable, malgré la décision rendue par le tribunal administratif. Ce qui s'apparente pour ces organisations à de l'acharnement, s'y fait qu'elles appellent à repenser l'institution pour lui donner toute la légitimité et la crédibilité indispensables à une régulation rigoureuse de l'information, sans passion ni partialité. Élection au Congo, Sassou jusqu'à la lie, titre l'Observateur Palga. Le dinosaure de Mpila déclaré vainqueur avec plus de 60% des suffrages s'adjuge un nouveau bail à la tête de sa monarchie, s'attirant les foudres de son opposition qui crie au recomptage des voix. Au prix de tripatouillage, le président congolais, qui en principe avait atteint sa date de péremption, a réussi à se remettre sur la ligne de départ. Il a transformé son pénalty en but, même s'il a tiré dans une cage vide, écrit le pays, pour qui un autre président à vie est né. Le roi Sassou III, déjà 32 ans de règne, peut se payer autant de mandats qu'il le souhaite, mais prévient l'Observateur Palga, ce n'est qu'une question de temps. Le règne, fut-il si long, s'achèvera bien un jour. Aujourd'hui, au Faso, ne s'en cache pas, Sassou Nguesso n'a pas été proprement élu, faute, selon le journal, aux opposants. S'ils avaient fait front, ils auraient sûrement fait mouche. Et l'appel à la désobéissance civile lancé par le général Mokoko ne risque-t-il pas d'être vain? Toute l'opposition va-t-elle le suivre? Vraie défiance pour le général ou simple barreau d'honneur, seul le temps peut-être le dira. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci de rester fidèle au programme de la RTB.